seconds in 10 seconds. Y'a pas à chier, je ressemble vraiment au Scooty IRL. Hein. Attends, ça commence, c'est le top 10 FR, c'est un putain de délire. C'est un putain de délire. Bienvenue pour le top 10 FR du mois d'avril, commenté par Pipo. Et Origo. Bienvenue à tous. Oh putain, les photos. Oh putain, les photos. Oh putain. Enfin bon, allez, on commence enfin ce top 10 avec un soldeur FK, une fois n'est pas coutume, ça donne toujours un bon effet pour commencer. Alors, il met une roquette au médic, la deuxième dans le mur, ça fait toujours bon effet aussi. Une roquette, un médic, une roquette, un scout, une roquette, un soldeur, un coup de pompe, un démo. Allez, c'est ce qu'on appelle de vite fait bien fait. Et la cape du point après. Alors, on se retrouve en 9ème position avec X-Low, un scout qui a quand même pas mal d'avenir devant lui à ce que j'entends dire. Alors, avec un scout mort sur le middle en two-shot, ça c'est fait. Hop, il va sur le balcon, il tue en two-shot le démo, pareil. Il recharge, deux shots le médic, il commence à grouler soldier. Un qui tombe, le deuxième qui va tomber, et qui tombe lui aussi. Belle action de la part de X-Low. Et là on se retrouve avec Packard et Touchmile sur Granary en lutte pour la cape du middle. Il se met en chasse du Soli qu'il arrive à fraguer. Il lui reste 89 HP, il retourne vers son médic mais le démo lui ferme la porte. Oula, attention, face à face avec le scout. Il fera bien jouer avec le fusil à pompe. 10 HP, ça va être difficile pour lui. Le médic adverse le course, hein, il se décide à y aller. Et bim, un coup avec la pioche, et bim sur le démo. 10 HP toujours, c'est compliqué, il monte. Faut qu'il fasse attention, s'il tombe, il risque de crever. Il voit le Soli, et il tombe, mais sur le Soli, et boum, encore un coup avec la pioche. C'est du grand n'importe quoi comme on les aime. J'adore. Attention, le scout, toujours là. Il se fait healer par son médic. Il essaye de trapper le scout. Et là, il le fait voler pour aller dire bonjour aux mouettes. J'adore. Et maintenant à la 7ème position avec Leo qui se attaque le second point de Granary avec l'aide de son médic. Il tue le soldier avec son médic en Uber. Il aggro le médic et le soldier maintenant. Au pompe, le pompe, un coup, deux coups, le soldier qui tombe, le médic qui tombe. Il aperçoit le scout sur le pipeline mais décide de ne pas l'attaquer et de rester avec son médic pour le protéger. Il revient sur le second point, le scout qui se prend une roquette par son copain et lui il le termine. Il aperçoit maintenant encore un soldier au top. Il essaie de l'aggro, il saute, une roquette, deux roquettes, le soldier qui tombe. Il continue, il décide d'aller de caper le last, un scout qui l'en empêche, une roquette. Il le tue avec l'aide de son scout et décide de caper le last. On retrouve toujours Léo pour une deuxième partie, toujours dans le même match, sur le middle de Grana. Il s'est pris une roquette, il descend, il se fait healer par son médic, il prend le pack, il rejump sur la caisse, ils vont assoler une roquette et la deuxième roquette en pleine tête. C'était super. Et maintenant, à la 6ème position du classement, on retrouve Shinra de la team Seek and Touch pour une action coup de cœur qui se passe en pick-up sur la map Badland. Donc, ils se retrouvent au last. Les deux medics ont claqué le rubber. Il est en démo, il spam comme tout bon démo. Il se retrouve et bim, une pack dans le démo. Et maintenant, il faut pousser. Il y a 4 morts du côté des rouges. Il se décide de pousser avec les scouts sur le second point pour les aider à caper. Donc, il entend du grabuge avec ses scouts. Il se dépêche. Il monte sur le second point. Il essaye de tuer les scouts. Il n'y arrive pas. Pas celui-là. Celui sur le balcon. C'est le bon. Il s'en est pris une aussi. Il voit un soldier qui jump. Il en prend. Hop, airpipe. Et voilà, c'est bon, c'est terminé, il décide de caper le point avec son scout. Maintenant avec Payard, des teams d'Hadouken contre la team de Euro Infernal Gamer sur le mythe de Badland, en duel avec un scout qu'il arrive à fraguer, maintenant tout shot sur le médic, et là, attends, il a buté le démon, on sait pas trop comment. Ils sont tous passés un soli, attention, très difficile, Payard avec 38 HP, il évite un petit peu tous les coups, les roquettes, les coups de fusil à pompe. Il s'attaque à lui et bravo avec le flingue. Ah, effectivement, très très bien joué de la part de Payard, l'utilisation du décor sur le milieu de Badland. Très bonne utilisation du train qui lui permet d'esquiver tout ce qui est roquettes et coups de pompe du soldeur ennemi et qui permet ainsi de rester en vie et de se planquer pour attendre le démo. Donc que voici et qui se prend un 3 shot. Très bon brain de Payard cette action.
Alors, en quatrième position, on retrouve Camille en sniper pour la team BE et Chinois de la team France. En défense sur la map Gorge, sur le point A. Donc là, on voit, il bodyshot le sniper, il essaye de l'avoir, il décale et hop, un scope sorti de l'espace, on peut le dire. Là, il vise le démo et, bah non, c'est le medic qui prend, mais c'est pas grave, le démo il prend quand même. Il s'en prend une et une balle dans le coude, on sait jamais, ça peut faire mal. Maintenant, il revient sur le middle, il met une tête au soldier qui lui, il a pas trop compris ce qui se passait, mais c'est pas grave. J'ai pas compris, il visait le démo ou il visait le medic tout à l'heure, là? Le démo, je pense, hein. C'est pas grave, de toute façon ça enchaîne, il y a un scout qui arrive, il tue son ingénieur, là il sort les SMG, il se fait assister par son démo mort, qui ne l'est pas, mais c'est pas grave, il enchaîne sur le flanc droit de la map, il bodyshot le sniper, il continue à s'avancer sur la team ennemie pour essayer d'apercevoir d'autres ennemis, hop, il rebodyshot Cookie, il domine, ça fait du bien de dominer un cheater finlandais, ça fait toujours plaisir, le démo qui s'en reprend une, et le scout aussi qui va s'en prendre, non il fuit, bon il a bien raison de fuir avec tout ce qu'il s'est pris, et le soldier qui s'en prend une aussi. Donc on récapitule, donc avec le sniper, le médic, le démo, le soldier, le scout, encore le sniper, encore le démo, le soli, un café, l'addition, merci, au revoir. Allez, les choses sérieuses commencent, la médaille de bronze avec Sydney des IBK Pink sur Obscure face au What Woman Mant, une team de D1 Euro. Il bute le soli, il voit le scout, il arrive à le flinguer, il met la pression au démo et le finit au shotgun. Oui, effectivement, là, il sort le middle obscure, il a réussi à faire du nettoyage, il n'y a plus personne pour embêter. Il voit le soldier, le combi soldier medic qui back, bah, rien de quoi bien athléter, il a de quoi assurer sa position sur middle tranquillement et peut recharger. Pas de soucis. Attention, celui qui rattaque, les Jones, une roquette, deux roquettes, trois roquettes en pleine tronche. Magnifique, c'est mec. Maintenant pour la médaille d'argent avec Mux des Hadouken sur le middle de Freight en médic, moi j'adore. Alors il claque son Uber à ses deux solis, le soli adverse lui met la pression en lui sautant par-dessus et il... Ah oh, c'est énorme qui vient de se passer. On va faire un petit retour en arrière pour Rigo qui a pas tout compris, j'en suis sûr. Bah pourquoi moi? Donc là il claque son Uber, l'autre soli arrive et lui balance une roquette, il verse traf dans les airs pour éviter le soli, le train et le médic, c'est énorme, et au final, le soli se prend le en pleine courge, c'est un truc de malade. Ouais, c'est une très très belle action, avec le Park Nox ici, c'est pas Pipo qui serait capable de faire ça sur le top 10, hein. Non, je t'emmerde, moi je suis pas sur la vidéo parce que je veux garder mon objectivité. Allez, de toute façon, tu m'énerves, on enchaîne avec la médaille d'or qui n'est autre que... Non mais c'est un scandale. Mais putain, mais je suis pas mort, quitte le commentaire, là, mais on rigole en premier, mais c'est pas du tout ça, putain. Ah mon dieu. Bon bah vu qu'il est pas là, je vais me lancer des fleurs, hein. Donc bah regardez-moi ça sur Gorge, hein. Compte TLR, le soldier il y passe, hein. Non, comme mais attends, si de rien n'était. Le soli tu me fais bien marrer, mais tu l'as raté quand il venait juste de sortir du TP là, c'est bon, arrête de crâner quoi. Mais personne l'a vu, personne l'a vu. On passe au second soldier, regarde, je lui ai tout mis, regarde. Et le soldier, tu lui dis au revoir aussi. Le sniper c'est pareil. Il fait péter ses sticks juste 10 000 ans après que vous soyez passé. Puis regarde ta vidéo là, c'est tellement chiant qu'on est obligé d'accélérer, putain, pour que ça rentre bien. Quoi. Mais c'est pour montrer où est-ce que je rock. Regarde là, le démo, ah, il est plus là. Hop, adieu le démo. Regarde, j'attends un petit peu, je sais qu'il y a quelqu'un qui arrive là. Regarde, le soldier, hop, tu touches pas à mon démo, toi. Le sniper, c'est pareil. Et tu lui tires dans la bite là, mais... C'est toi la bite. Vite, regarde le médic, retourne jouer à l'eau. Regarde ça. Déroxé, moi. C'est comme ça qu'on fait gagner une team, monsieur Pipo. Mais ta sœur a fait gagner une team aussi? Mais oui, c'est pas en capant en médic sur un las de Badland qu'on fait gagner une team, monsieur. C'était donc le top 10 français du mois d'avril, donc on va remercier tous ceux qui nous ont envoyé des démos, merci à vous, on va remercier l'éditeur, hein, Easy8, merci à toi, on remercie aussi Custom3 qui nous a beaucoup aidé pour lire les démos, parce que ça n'a pas été chose aisée depuis la dernière mise à jour. Merci aussi Pipo qui m'a aidé ouais, à commenter bon, ça sur va, le ça top va, 10. Bon. Oh, bah non, bah, viens faire un bisou. Je suis pas un garçon facile, moi, oh. Tout de suite. Bon, merci à tous et puis à plus tard pour un prochain top 10 français. Salut, ciao, ciao.